dans quelques instants la troisième et dernière épreuve du cross à poney, prix poney au galop et fédération française d'équitation, championnat de France poney D, France Cire Poney Cross Challenge 2023. Départ validé pour les quatre concurrents, 2700 mètres à parcourir dans ce championnat de France Poney D, France Cire Poney Cross Challenge. Pour aller sauter le premier obstacle, c'est le numéro 4, Ishaba Schleff, associé à Charles Clayeux, qui a pris le meilleur départ et qui devance d'une ou deux longueurs. Là, c'est Imperial Height Night Fighter qui vient en deuxième position. Troisième vient la Kazakh du Haras de Saint-Voir, c'est le numéro 3, Aikran Schleff. Et en dernière position, le numéro 2, Shoot the Deal, sur le chapeau de gendarme. Les quatre concurrents qui sont passés sans difficulté. C'est donc Ishaba Schleff qui a le meilleur sur l'As Imperial Height Night Fighter. Monté par Loesia Ayer Fouchard qui vient donc en deuxième position. En troisième position, le 3, c'est Ikran Schleff. Et quatrième et dernier, Shoot the Deal, monté par Léa Denio. Les quatre poneys de cette épreuve qui sont au milieu de l'hippodrome et qui vont aller sauter une haie sous l'impulsion d'Ishaba Schleff. En deuxième position, Imperial Height Night Fighter. La Kazakh Papo qui vient deuxième et qui devance d'une ou deux longueurs. Ikran Schleff associé à Léane David et c'est le numéro de Shoot the Deal qui ferme la marche. Nouvel obstacle franchi et bien franchi. On se dirige une première fois vers le guet. Ishaba Schleff s'y dirige en tête et monte le chemin à ses petits camarades. En deuxième position, la Kazakh Papo, alors qu'on a une chute, plus précisément le jockey du numéro 3, Ikran Schleff, qui a été éjecté. Léane David qui n'a pu rester en selle sur son partenaire. Ils sont donc plus que 3 en lice dans cette compétition. Le numéro 4, Ishaba Schleff, associé à Charles Clayeux, qui a donc toujours l'avantage sur l'As Imperial Height Night Fighter, qui vient en deuxième position, à la troisième place à quelques longueurs pour le numéro 2, Shoot the Deal. Les trois concurrents qui vont venir passer devant vous et boucler le premier tour de cette épreuve. Numéro 4, Ishaba Schleff, qui a toujours l'avantage sur Imperial Height Fighter, qui n'a pas quitté son sillage depuis le départ. On peut les applaudir, mesdames et messieurs, ces trois concurrents qui sont encore en lice pour sauter là et devant les tribunes. Rien qu'en sautant, Imperial Height Night Fighter est venu prendre le meilleur sur Ishaba Schleff. De encore plus loin, on retrouve le numéro de Shoot the Deal pour sauter le tronc d'arbre. Tronc d'arbre bien franchi par les trois concurrents de cette épreuve. Espérons que Ikran Schleff, qui est en liberté, ne perturbe pas les autres concurrents. Cela un peu tendu, Imperial Height Night Fighter qui a pris tout de suite de trois longueurs d'avance sur le numéro 4, Ishaba Schleff, qui vient donc deuxième devant le numéro 2, Shoot the Deal. Imperial Height Night Fighter qui est toujours en tête malgré quelques péripéties suite au cheval en liberté.
son partenaire ayant peut-être perdu ses étriers. On espère que tout cela ira. En deuxième position, Ishaba Schleff. Troisième, Shoot the Deal pour se diriger vers la dernière partie du parcours. Un nouvel obstacle se présente devant Imperial Height Night Fighter qui a toujours le meilleur. Le numéro 4, Ishaba Schleff de longueur plus loin devant le 2, Shoot the Deal, troisième et dernier. Le deuxième passage du guet, on arrive à vive allure dans le guet. Avec Imperial High Night Fighter qui a toujours l'avantage sur le numéro 4, c'est Ishaba Schleff qui vient en deuxième position devant Shoot the Deal. On accélère maintenant, on va aller sauter la dernière rue. Imperial High Night Fighter qui a toujours l'avantage et qui prend maintenant 2-3 longueurs d'avance sur Ishaba Schleff, associé à Charles Caillou qui a tenté de revenir sur le représentant Papo qui a toujours l'avantage pour entrer dans la dernière ligne droite. Shoot the Deal va bien terminer son parcours en retrait. Imperial High Night Fighter qui a toujours l'avantage, mais on revient sur lui maintenant avec Ishaba Schleff qui refait du terrain. Imperial High Night Fighter, son partenaire qui est sans étrier. Shoot the Deal qui finit à la vitesse du vent à l'intérieur. Imperial High Night Fighter va aller au bout, malgré que sa selle est légèrement tournée. Shoot the Deal sera deuxième devant le numéro 4, Ishaba Schleff. Arrivée provisoire de cette troisième épreuve de cross à poney, prix poney au galop et fédération française d'équitation, championnat de France poney des France Cire Poney Cross Challenge 2023. Victoire du numéro 1, Imperial Height Night Fighter, associé à Loesia Ayer Fouchard pour la propriété de Madame Patrick Papeau. Deuxième place pour le numéro 2, Shoot the Deal, associé à Léa Denuot pour la propriété d'Emmanuel Clayeux. Et troisième place pour le numéro 4, Ishaba Schleff, associé à Charles Clayeux pour la propriété de Balzane Enchères.